Toujours pas, et là maintenant vous allez mieux m'entendre, je pense. Comme d'hab, voilà, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton du micro. Salut mon papy, salut Cédar, salut Christophe, salut Shizuka. T'as vu, eh, normalement je l'ai bien dit là. J'espère que vous allez bien, merci d'être présent, merci, merci à tous. J'espère que vous passez une bonne soirée. GG, bah ouais, tu vois, c'est normal, c'est normal. Du coup, je disais, ce soir on se retrouve pour une petite recette avec une petite entrée terre-mer, avec après une petite flambée de l'océan. Donc il y a déjà des gens parmi vous qui savent déjà ce qui va se faire, d'autres non. Donc on va laisser la surprise à tout le monde. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Comme si j'attendais 200 personnes, tu sais. Comme d'habitude, je vais vous partager le lien des copains. Déjà, au niveau micro, est-ce que si je me mets là, si je me mets là, et si je me mets là, vous m'entendez bien? La musique a décidé de s'arrêter. Merci mon cri-cri. Allez, on est bon, la musique est revenue. Parfait. Du coup, comme d'habitude, je vous partage le lien des copains TS2 Euro Truck Simulator 2. Ouais, il a pas pris le deuxième. Voilà, ça c'est bon ça. Il m'a remis deux fois le même, super. Et là, voilà. Perfecto, voilà le lien des copains que vous pouvez retrouver en live tout au long de la semaine. Là, il doit y avoir normalement là-haut qui est en live sur World of Warship. Vous retrouvez le matin, c'est Darbo en ce moment sur Diablo 3. J'ai coincé le câble dans la porte, du coup, ça fait... J'aime pas que la porte reste ouverte. Donc voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à aller les voir, comme d'habitude, de leur faire un gros coucou de ma part. Je vous présente aussi le partenariat avec des figurines. Hein, voilà, tout est expliqué. Je n'explique plus le giveaway en cours avec le multiplicateur de chance. J'ai pas pris le papier, donc s'il y en a qui s'abonne, je compte sur mes deux modérateurs pour prendre des notes. Des personnes qui donnent des choses et puis qu'ils veulent participer à ce petit giveaway. Et on se retrouve sur Twitter où vous avez les infos à chaque fois sur les lives qui arrivent. Premier giveaway de la chaîne, tapez la couronne cadeau, voilà. Même Wizbot, il fait son taf maintenant, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Allez, on va tenter de se faire une petite mayonnaise. On va passer en live cuisine. Si j'ai bien bossé. Non, j'ai pas bien bossé. Alors pourquoi elle se vire? J'ai une webcam, je sais pas pourquoi. Elle se vire tout le temps. Voilà. Voilà, voilà. Donc, nouveauté, deuxième mois. Deuxième webcam, salut! D'habitude, je la mets là sur la gauche, là où ce soir elle sera en vue de dessus, comme ça on verra mieux ce qui se passe. Le micro au-dessus, la webcam au-dessus, c'est parfait. C'est parfait! Allez, on va faire dans un premier temps, on va cuire nos petits œufs durs. Donc, on va prendre un peu de vinaigre blanc qu'on va mettre dans la casserole. Au cas où, s'il y a un œuf qui casse. Et pendant cela, on fera une petite mayo. Mayo maison facile, j'en ai fait une récemment. Ouais. Vraiment, tout le monde devrait savoir le faire. Je vais pas faire le malin parce que ça m'est déjà arrivé de la louper. Et comme, enfin, je me dis qu'avec moi et ma chance en live, tu sais, mon ami. Allez-y.
chaude. Préparer les œufs. Bon, vous fiez pas aux boîtes, hein, c'est des œufs de ferme. C'est juste qu'ils n'avaient pas le... ce qu'il fallait. Il n'y avait plus de boîte normale. La technique de la bouilloire, ça rappellera des souvenirs à certains qui ont galéré. Il n'y a pas longtemps que j'ai fait un live, j'ai cuit mes pâtes, j'ai passé à la bouilloire. Elle m'a dit, ah mais en fait tu gagnes du temps. Bah oui, tu gagnes du temps. Mon petit batteur, et on va commencer ça après tranquillement la maillot. Hop là, je téléphone Yéke. Alors dès que l'eau est bout, on va mettre nos œufs tranquillement. Ça va, ça démarre pas compliqué. Ah ouais, c'est des gros œufs. Hein. Si vous voyez la taille de l'œuf, on... c'est pas les petits œufs. Ouais, tranquillement. C'est bien, mais après, à mon âge, je sais pas pourquoi. Attention, hop là, si les œufs éclatent, c'est pas grave de toute manière. Les œufs très frais, hein, donc peut-être un peu trop frais. C'est pour ça qu'on met le vinaigre. On va mettre un cinquième. Et on est parti pour 11 minutes comme ça, 1 minute le temps que l'eau elle boue et 10 minutes pour la cuisson. Cacher mon bol. C'est vrai que d'habitude je fais pas cette mayonnaise avec ces œufs là. Parce qu'ils sont de la ferme, ils sont tellement frais. Le jeune a tendance à casser dedans. Voilà. Il est décalé. C'est moi, la musique s'est encore arrêtée. Ah. Si vous voulez la musique qui s'arrête, si vous entendez la musique qui s'arrête, n'hésitez pas à me le dire. Parce que du coup, je le vois pas forcément. Et là, je l'entends pas avec le gaz et la bouilloire qui tourne. Allez, on va mettre notre sel, notre poivre. Voilà. Préparer notre huile. À
Alors ça, c'est parce que tu as fait ta mayonnaise avec de la moutarde. Purée chaude. Ouais, ça y est, il commence. Mais je le fais pas à l'eau froide, copain, parce que là, j'ai pas le temps, je suis en live. Vite, donc je suis obligé de le faire à l'eau chaude. Mais oui, sinon tu démarres à l'eau froide. Non, je vais démarrer avec mon fouet. On va aller au batteur ensuite. Hop. J'ai dû faire ça avant. Là, si elle prend pas, c'est de ma faute. Allez, on est parti. Salut Hermod. Alors si moi je reste concentré sur la maillot du coup. On voit mon gros ventre. Hop, je vais passer au batteur parce que la pépère il a plus de force dans les bras. Et on va aller doucement. Voilà. On continue. On centre un peu plus. Ah mais ça, hey, mon gars, on a plus d'avantages. Hein. Je suis désolé, hein, on pourra dire ce qu'on veut. Hein. Mais le bidon, c'est la vie. Hein. On ajoute l'huile tranquillement. Voilà. Voilà. Un peu. Voilà. On va la goûter. Un peu de paprika. Il y a les œufs qui veulent se faire la malle. Voilà. Hop. Voilà. Ben, impeccable. Je n'ajoute rien de plus, un peu de sel. Voilà. Impeccable. Voilà, petite mayo, tranquille, rapide, sans moutarde. On va la mettre au frais.
Hop. Et en attendant, on va se préparer le saumon. Donc ça, j'ai plus besoin pour l'instant. On va sur la place. Ah, je vais vous partager quand j'ai le temps. Mais de toute manière, quand ça cuit, j'ai largement le temps. Alors, il y a mon fils qui a été visiter un apiculteur du côté de chez mes parents, à côté d'Asbrook, à Neuberquin, dans le nord de la France, pour ceux qui connaissent. Et en fait, ils ont fait un... Hop. En fait, on voit pas parce qu'il manque une lumière. Je vais essayer de faire sans tomber le micro. Hop. On voit mieux. Ah ouais, on voit quand même beaucoup mieux. Voilà. C'est un miel à la vanille. Et il y a une gousse de vanille dedans. Donc c'est une gousse de vanille française. Super bon. Une tuerie. Une tuerie. Voilà. Donc si vous avez un apiculteur près de chez vous, n'hésitez pas. Et goûtez ce vanille. Ça se... Du miel à la vanille, c'est ouf. Donc, on n'a pas de pub. On n'a pas. Je sais pas. Si on est emmerdé avec des pubs si on met des marques pendant un live. Vu qu'on est emmerdé avec les musiques. Normalement, non. On va vraiment finir par se barrer. Je vais préparer mon évier pour les recevoir. Pendant. On va mettre de l'eau bien fraîche. Alors l'avantage du nord, c'est que bah, l'eau elle sort du sol, donc comme il fait froid. Hop, ça c'est pour après. Allez, on va préparer notre saumon en attendant. Il reste quelques minutes. Pas pour utiliser donc du saumon fumé. Je peux couper mon eau. Ce cadeau, c'est pour toi. Si tu vas regarder le live ou la rediff. Allez, on va déjà essayer avec ça. On va faire avec ça, pardon. Salut mon coco, tu vas bien? Tu vas bien coco? Hop.
Là, j'ai pas eu envie. Je me suis dit. On va faire ensemble et vous aurez tout ce qui. Tout ce qui aura besoin ensuite. Voilà. Elles sont belles en plus. Qu'est-ce qu'elles sont belles, mes crevettes. Comment ils disaient. Ils sont pas prêts, ton poisson. Ah ouais, il est pas prêt, mon poisson. Ah bah, il est pas prêt, mon poisson. Allez, on est parti. Bon, normalement, elles sont fraîches. J'ai été les chercher cet après-midi. On m'a dit qu'il faut les faire avant, mais là, j'ai pas eu le temps de les faire avant, en fait. Je me suis fait un peu prendre par le temps. Donc, on va en faire juste le nombre qu'on a besoin. En tout cas, c'est vrai qu'elles ont de la gueule. Ouais, fraîche vite fait. Hein. Alors, comment on voit une crevette, si elle est fraîche ou pas? C'est très simple. Hop. Merci le bidon. Pour tirer la tête, tirer un peu le devant, les pattes. Hop. Et normalement, quand vous pincez la queue, voilà, tout vient avec, quasiment. Donc là, c'est qu'elle est fraîche. Bon, alors normalement, fraîche, elle n'est pas cuite. Voilà. Et vous gagnez du temps quand vous faites vos crevettes, c'est un truc de dingue. Assez de queue, plus de 18. Bah oui, mon ami. Qu'est-ce que je te dis? Il y en a qui vont coucher la petite et il y en a qui passent des queues de crevettes, mon ami. Hop. Alors, j'en ai fait combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'en avais pris une vingtaine. Alors normalement, je dis bien normalement, j'aurais activé un truc, j'étais un peu réticent au début, mais j'aurais activé les clips. Mais par contre, je sais plus à qui j'ai réservé ça, si c'est aux abonnés ou aux follow. Normalement, c'est aux abonnés. Prenez ces têtes là, tout ça, vous mettez dans une casserole. Je suis timide de toute façon. Ouais. Dites pas de conneries, hein, parce que si c'est le cas, il y a la suppression de messages rapides aujourd'hui. Le pauvre. Le pauvre, il est. Bah, il est comme toi, Cédar, il est malade. Le pauvre. Hop. Voilà. Bon allez, vu qu'il m'en reste plus des masses, on va tout faire. Et on verra ce qu'on a besoin ensuite. En fait, j'en ai pris un peu plus pour ma gueule. Avec une petite maillot maison, tu vois. C'était un peu aussi ambigu ton message. Lequel? Il y a la suppression de messages facile. En plus, c'est dingue parce que c'est vrai que la dernière fois j'avais fait des crevettes aussi. Là, j'aime bien les. Dire le live me permet de faire des plats que j'aime réellement bien. Et imaginez-vous que tout ce que je fais là, chez moi, ils le mangent pas.
Donc là, le plat que je vais faire, bah, il y aura un tupperware qui va partir chez les beaux-parents. Il y a des chances. Quoique, peut-être pas, parce que c'est vrai que comme il y a de la crème. Oui, non, oui, c'est vrai. Le message que tu avais passé pouvait être mal interprété, je te l'avoue. Le chat, si tu continues à gratter la porte en bois, je vais vraiment, tu vas vraiment finir en M. Elles sont énormes, ces crevettes. Elles sont énormes, ces crevettes. Alors ça, d'habitude, ça, ah bah, je le ferai dans un prochain live. Voilà. J'arrête un cran avant la queue. Voilà, de la queue de crevette, j'arrête. Et ça, après, dans une pâte à beignets, à la friteuse, beignets de crevettes, mon ami. Aïe, 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 aïe. Voilà. Hop. On aura tout fait. On va mettre ça au frais. Ça, ce sera au frais. Si je fais ça, je sais pas si vous allez voir, mais si je fais tomber une crevette, mon ami. Bon, maintenant j'ai mis un quart d'heure à placer la caméra tout à l'heure. Hop. Hop. Voilà. Elle sera pas aussi bien que tout à l'heure. Papy, j'ai fait des bêtises. On était si bien tout à l'heure. Voilà. Donc mes crevettes. Pour la main d'œuvre. Hop. On remet au frais en attendant. On va préparer les œufs. Il est à la pluie. Ah bah là mon ami, je mets une crevette à terre. Mais je lui en donne pas parce que le problème c'est que quand il cuise les crevettes, certains pêcheurs mettent des produits conservateurs qui sont très dangereux pour les chats en fait. Donc c'est pour ça que je ne. Il y a une autre. Enfin, tu peux lui donner une crevette, mais déjà faut qu'elle soit surdécortiquée en fait. Mais bon. Moi je ne prends pas de risque. On va peler les œufs, on va les écailler. Casser mais littéralement. Bon, c'est perdu. C'est pas grave. Espérons qu'ils ne font pas tout ça, parce que je vais être dans la merde, sinon. Je vais être dans une belle merde. On va y aller doucement. Ils sont pas assez refroidis. On va les laisser encore dans le. Un moment, c'est pas grave. Hop, on va le mettre au frais. On va passer au milieu de la rose. Dans 3-2 heures après, ça va venir tranquillement. Alors, du coup, pour le reste de la recette. Ça m'embête, je voulais faire ça en premier. Ça m'embête. Ça m'embête cette affaire.
J'ai une fuite d'eau encore tout à l'heure. Hein. Chaque coup que je fais un live, j'ai une fuite d'eau. C'est cool. Ça. Oh là 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 là. Alors, on va nettoyer en attendant les belles noix de Saint-Jacques. Parce que j'ai vu tout à l'heure qu'elles étaient encore avec un peu de sable. plombier. Bah ouais, mais non, mais c'est bon, j'ai donné. Hop. Encore un peu de ça tout à l'heure. On va les éponger après. Je ferme pas le robinet, mais les œufs doivent refroidir, donc je mets de l'eau froide. Allez. On va éponger un peu. Hop. Vous comprendrez pourquoi après. Voilà. Hop. On va déjà assaisonner tranquillement. Ah, c'est pas du poivre du moulin. Ouais, je sais. Mais au moins, tout le monde en a ça. C'est sûr que c'est mieux un poivre en grain. Mais bon. On fait avec ce qu'on a à la maison, c'est le but du live. C'est que tout ce que je fais, tout le monde peut le faire. Je suis pas un pro, c'est pas du gastro. Mais qu'est-ce que c'est bon. Je suis désolé, moi c'est trop. Je kiffe. Allez, on va m'échauffer l'eau. Pas d'huile d'olive. C'est moi, je mets de l'huile d'olive. Dans les pâtes. Évitez de prendre une assiette cassée. C'est d'art, tu t'es fait griller, gros. Et on va préparer des tagliatelles. Ça, je le montre de loin, mais on va avoir besoin après. L'œuf ici, je peux le débarrasser. Merci. Hop.
Tac. Ça allait de trop. On va revenir sur les os, on va les faire en dernier. Voilà. Donc, on a... on a ça, on a ça, on a ça, on a les crevettes. Pareil, de l'encorné. Pas des trop gros, parce que j'ai vu qu'il y a eu des bagarres. Je peux sortir. Je mettrai. Voilà. T'as plus de poisson. Qu'est-ce que c'est bon. Alors lui, elle commence à bouillir tranquillement. Donc ici, tac, t'as la mare. Hop. Oui mon chat, c'est bon. Ça sent bon, hein? Ça sent le poisson frais. Bon, salon poivre, toujours. On va mettre cuire nos tagliatelles tranquillement. Ah. Alors, nous sommes 4. Hop. Bon, pareil. Hein. Là, c'est pour un gain de temps. Je ferai un petit live avec un TK pour faire des pâtes fraîches. Le timer, c'est pas pour dire en fonction du temps, c'est parce que c'est pour moi ne pas oublier. C'est des fois, je pars un peu entre les temps quand je peux dire. Et j'oublie des trucs. C'est con. Hein. Allez. Tant que ça bouge, on changera de gaz. En attendant, on va se préparer. On va se peler l'oignon. Petite goutte, je chiale tout le temps pour l'oignon. Ah ça mon ami, c'est une technique. Alors t'as plusieurs techniques pour peler un oignon. Je vais boire une goutte d'eau parce que... Il se fait soif. C'est bien mon chat, vas-y, fais tes griffes, c'est fait pour. C'est mieux que le mur. Alors pour l'oignon, il y a plusieurs techniques. C'est à force d'en faire, ou bien bras tendu, ou bien faire attention parce qu'en fait, c'est que tu vas trop profond dans l'oignon. Tout ce que je dis va être détourné et retourné contre moi, je le sais très bien, mais je m'en fous.
Tu as la technique du masque de plongée, des petites lunettes de piscine. Tu as la technique de mettre l'oignon dans un sac. Tu prends un sac plastique, tu le mets dedans et tu l'épluches. Aussi bien. Alex, bien gros. Alors, l'erreur que beaucoup de monde fait, tu as une femme, tu lui donnes un peu chier. Coco, tu te débrouilles avec ta femme. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'oignon, si tu vas trop loin, là, j'ai fait exprès pour qu'on le voit. Si tu vas taper dans une, on va dire, une épaisseur d'oignon, c'est ce qui va libérer, ce qui fait pleurer, en fait, dans l'air. En fait, si tu prends juste la première couche, t'as ton oignon qui est comme ça après, ça t'évite de pleurer. Sinon, après, tu prends, tu frottes l'oignon et tu viens de frotter l'œil. Là, ouais, tu pleures. Allez, alors mes pattes, on va pouvoir les changer. J'aurais dû changer de plaque, n'est-ce pas, on va prendre celle-là. Alors, dans la recette, c'est pas obligatoire. Moi, c'est parce que j'aime bien avec un oignon. Hop. Voilà. On va changer de gaz. J'aurai besoin de celui-là. Alors, ma femme, c'est ma main droite, lol. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai que j'avais oublié que... Au chat, en fait, il y a le gamin, tu sais, il a fait des jeux où tu tournes le... Tu mets une pièce, tu tournes, t'as une boule qui sort, t'as un jouet dedans. J'ai récupéré la boule, j'ai accroché à une ficelle, j'ai fait un trou dedans. Et dedans, j'ai mis des croquettes, donc ça fait que quand il joue avec sa boule... Bah, t'as des croquettes qui se barrent et du coup ça le ça fait bouger son cul. Pourquoi je vais faire ça? Poêle, sauteuse, poêle, poêle, poêle. Allez la poêle. Allez. Bon. Margarine liquide, beurre, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Ouais. Ouais, une poquito, un peu mais généreusement. Le gras, c'est la vie. Il joue avec sa boule. Ben non, il en a plus de boule, il est castré le chat. Et... Allez, pssst. Surveillez les pattes. Bon, je crois que mes œufs sont un peu trop frais, mais c'est pas grave. Allez, hop. On lui pèlera. Blanchir un peu les oignons.
Alors comme d'hab, je vous mets pas la haute parce que voilà, puis de toute manière. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos ingrédients, on va les mettre cuire un peu. Et on va replomber ça au whisky. Et on va se préparer la petite dose de whisky. Petite dose de whisky. Non. C'est mon verre, ça. Whoopiné d'endormi à son pote. Je dormais pas, j'étais bourré. Santé, Coco. Je bois pas d'alcool, mais je cuisine avec, t'as vu? Hop, on va ralentir. De toute façon, ça va cuire après avec le whisky. Tranquillement. Hop. Ça. Hop. Oui, c'est très bien. Ça donne du goût. Tu veux un whisky, juste un goût. C'est ça. C'est tout à fait ça. Allez. Tranquillement. On le voit après, on va le retirer. On va pouvoir mettre une autre Saint-Jacques. Il y en a pas qui là. On va faire un peu de place. Un peu d'eau, le Saint-Jacques, hop. Voilà. Et ça, ça va faire très vite. Hein. Petit giveaway en ce moment, plus de 100 euros de l'eau à gagner. Hop. Donc on avait salé poivré avant, on retourne. Voilà. Oh, l'odeur, mes amis. Elle va être cuite. On va y ajouter un peu de quoi. Merde, j'ai tout mis. Hop. J'ai tout mis, c'est pas grave. Une pour le monsieur. Bye bye. Donc les crottes sont déjà cuites. Donc là, elles vont juste réchauffer hein, parce que sinon elles vont être trop cuites. Les Saint-Jacques. Voilà, après sinon, si on laisse trop, ça va devenir caoutchouteux. On va vider, moi je vide le gras.
Voilà. Plaisir. J'en ai foutu pas. On chauffe bien la poêle. Hop. Alors là, ce qu'on va faire, on va plomber au whisky. Surtout, vous n'allumez pas votre hotte. Merci Shizuka pour ton abonnement. Merci beaucoup mon ami. Du coup, je vais t'inscrire automatiquement sur la liste du giveaway pour participer au tirage au sort qui aura lieu le 21. Merci à toi en tout cas. Alors là, hop, la poêle elle est chaude. On va les mollo. Cela, bon, j'ai pris une grosse quantité, mais je sais que je vais en manger demain et après demain soir. Demain midi, demain soir. On va faire vite, hop, je mets un demi-verre de whisky, hop, on va flamber, on va tenir prêt le, alors moi je fais ça avec un bâton de bambou comme ça moi, voilà, voilà, ça se crame pour les cheveux. Donc moi, comme j'expliquais, on met pas ça en dessous normalement d'une hotte inférieure à 80 cm du plan de cuisson. Je vois les flammes. Bon là, je ne vois pas, mais j'ai ma main, mais ici, je le sens. Hop. Pour bientôt. Alors comme là, hop, ça cuit bien. On va lire. On va commencer pour réserver pour pas que ça cuit trop. Voilà. Que ça sent bon. Hop. Quand je vous dis pas l'odeur, aïe 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 aïe. Alors moi, c'est de retirer un maximum d'oignons. Hop. Voilà. Mettre ça là-dedans. Voilà. Mes tagliatelles sont cuites. On va les sortir du gaz. Hey, je vais tenir mon live de cuisine en moins d'une heure, tu crois? Donc là, je mets le reste du whisky. Donc il y a un bon verre. Hein. Bon, ben 20 centilitres. Bon, faites pas ça avec du label 5 ou quoi. Prenez un whisky basique. Enfin, label 5, si, justement. Un petit whisky quoi, pas un gros whisky Jack Daniel's ou quoi, de toute manière. C'est dire que Jack Daniel's c'est pas fan du côté hein. Donc là c'est pour ma hotte. Bon, moi j'ai une hotte métallique donc je crains pas grand chose, mais bon, je préfère prévoir que guerre hein. C'est parce que j'étais à l'assurance aujourd'hui que je vais que je dois prendre des risques. On parlait d'incendie à la maison. Hop. Voilà. Et normalement, hop.
On va laisser réduire ça tranquillement. Pour garder un max de sucre. Pour un diabétique. Hop, les crevettes. Pour Bibi. C'est la flambée des prix, ouais. Ouais, non. On va dire, je préfère prévenir qu'il y a quelqu'un qui fait la recette chez lui, qui a allumé sa hotte, tu sais, parce qu'en fait, la hotte va aspirer les flammes. Peu que le filtre, déjà, n'est pas neuf. Déjà, le filtre, il va prendre feu lui-même. Et s'il y a déjà des graisses dans le filtre, alors là, je te dis pas. Bon, on va dire que, voilà, bon, elle est un peu chaude du coup, mais... Ouais, elle est un peu trop chaude, mais ma hotte, moi, c'est une grille métallique. Et derrière, c'est un filtre à charbon, donc du coup, j'ai moins de problèmes. On va sortir la crème fraîche. Ah, parce que sinon, voilà. Comme ça, c'est pas très très bon. Alors... Crème pêche, crème liquide allégée, tout fonctionne. Hein. Normalement, je devrais faire avec de l'allégée, mais de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Là, on va mettre un demi-pot, un bon gros demi-pot. Hop. Je vais refaire ma maïté, mais non, j'aime pas, ça m'appelle comme ça. Elle a tellement raison, cette dame. Elle a oui, même, je crois. Faire son âme. Bien les sucres qui ont été sur le bord. Oh, tiens, en attendant. Alors du coup, ce fameux plan de travail vu de dessus, vous le préférez là, comme ça, ou celui qui était, on va dire, ici sur le côté Dites-moi tout. Déjà, normalement, le micro, on devrait m'entendre mieux. La madame et le petit. Crevez. Bonjour, fils. Ça va. Ça va. Allez, on va saler poivrer. Voilà. Est-ce que tu peux manger? Ah, t'as loupé les flammes, mon ami. Ouais. Par contre, on va peut-être te voir, attention. T'inquiète pas. Papa, il y a chaud. Ah, chaud? Papa, il a fait flamber, du coup, il y a eu chaud. J'ai raté la flamme. J'ai raté la flamme. Oui. T'as raté le feu. Vraiment? Vraiment le feu. C'est un peu chaud. Non. Tiens. Allez. S'il te plaît, Lucas. Vas-y, va lire ton livre. Laisser réduire tranquillement.
le feuillet. Allez, moyen. Moyen fort. Nickel. Trop bon. Attends, je me refais une crevette. C'est un peu l'inverse, mais bon, là les œufs n'ont pas eu le temps de refroidir. Bon, là ils ont eu le temps, mais tout à l'heure ils étaient un peu trop chauds encore. Allez, on va rajouter ça. Les copains, le parfum de whisky. Santé, hein, les copains. Il n'y a plus la paix de retraite. Non, mais c'est les crevettes que j'avais mis sur le côté exprès. Hein. J'en avais pris un peu plus parce que je me doutais bien que j'allais picorer. Je vais voir mes œufs ce que ça donne. Voir que ça réduise un peu. Sont trop frais les œufs. Merde. Pas grave. Ça me prendra. Je le savais, mais c'est pas grave. C'est une catastrophe. Mais c'est pas grave. Au moins, vous aurez la recette, vous pourrez la refaire. Je passe. C'est pas grave. Hop. Alors lui. Une catastrophe, mais ce n'est pas grave du tout. La musique s'est arrêtée. Là, je l'ai entendu. Hop. On va arrêter ça parce que c'est cuit, même bien cuit depuis. Hop, on met la musique. Mes œufs sont prêts. Mon assiette, mes pattes, elles vont coller. Allez, elles vont se décoller ensuite, parce que c'est une assiette sale, là. Ok. On ne sait pas. Hop. Ils n'ont pas envie de venir.
Voilà. Bonne assiette de pâtes. Allez, on continue. Maintenant. Voilà. La bonne ACDC. Parti mon ami. Voilà, peu de net. Et voilà. Bon, là, il y a la fumée. Pour présenter là. Voilà, voilà. Noix de Saint-Jacques, crevettes. Anneau d'encornet flambé au whisky. Tagliatelle crème de pécan. Perfecto. J'ai faim, c'est malin. Bah, c'est le but, mon ami. C'est le but. Puis on va faire nos œufs. Alors, désolé, mais là, fallait bien louper. Hein. Bon, ce sera les œufs. Ce sera les œufs. Voilà. J'essaie de faire quelque chose de propre quand même. Alors, nos œufs. Mon couteau. En fait, avec d'habitude, j'ai plus à portée de main là et j'ai pas besoin de courir, mais du coup, voilà. Allez. Voilà. On retire le jaune. On garde le blanc. Juste un mètre cuisson. Bon, celui-là, hop. C'est pas grave. Regardez. Hop. Bon, les œufs font la gueule. Hein. Ça, putain. Les cas sont bien. Hop. Voilà. Hop. Bon, on va savoir en faire quelques-uns quand même. Hein. Voilà.
afficher. Hop. Voilà. Quand t'es gourmand, tu fais ça, tu creuses le fond de l'œuf. Voilà. Tac. Là. Ça, on va regarder un peu. On va aller chercher du coup notre mayonnaise maison. Magnifique. On avait un air tout à l'heure là. Oh, je te jure. Ça va mon chat? Hein? Ça va? Alors, on va prendre la nette. Bon, bah, c'est de la nette fraîche. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Tiens, sans gars, sans copain. C'est de la bonne. On va prendre un petit peu. On va le laver. On est pas frais. Sa petite tomate. Ce parfum, les amis, je vous jure. Voilà. Oh. La nette, ça tue tout, mon ami. Allez, on y met notre saumon fumé de tout à l'heure. On voit, c'est des recettes. C'est pas compliqué. Et ça peut donner des idées. Et moi, c'est mon but. De donner des idées aux gens. De se dire, ben voilà, je peux faire ça. C'est pas des recettes gastro. Mais qu'est-ce que c'est là? On n'hésite pas, on y va. Dans le cœur. De la mayonnaise maison. Hop. Voilà. Alors, une bonne cuillère. Hop. De bonnes cuillères à café.
c'est pour lier. Hein. Voilà. La nette, elle va bien en plus le petit côté vinaigré de la mayo. Va bien se diffuser comme ça. Voilà. Merci. On peut voir. Et on peut voir. On ne peut voir plus. Voilà. Tu veux goûter la mayo? Oui. Allez, on va faire goûter ça au fiston. Bah, normalement, on peut goûter ça avec un bout de pain. Hein, ouais. Super bonne. En plus, l'avantage que j'ai, c'est que c'est des... je ne vais pas avoir peur de le dire. Allez, zo. Merci mon grand. Merci. T'es des gosses. Ah, c'est pas un jeu le siège. Allez, on va du coup. Bon, normalement, on fait les heures en première, mais là, pour le live, ça, hop, petite salade. Ça va quand même une petite présentation. Voilà. Hop. Hop. Tomate. J'ai ressenti de faire un truc qu'il y a longtemps que j'ai pas fait. Non, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Je sais plus comment je faisais. Je faisais des papillons, mais il faudra que je me re-entraîne à le faire. Je crois que je suis pas parti de mon côté. Hop. Et c'est celui que je voulais pas garder qui va rester jusqu'au bout. Voilà. Alors ça, je vous conseille de le faire en dernière minute. Voilà. Allez, on va débarrasser, on va mettre sur le côté. Débarrasser ça après. Hop, on va mettre notre petite ciboulette. J'en mets pas trop parce que je suis pas vraiment fan. Hop, voilà. Ouais, c'est pas top gastro, c'est pas de la présentation de ouf, mais c'est bon. On va y mettre
une ziquette. Alors, soit vous le mettez dedans, soit vous le mettez au-dessus. Voilà. Donc, sinon, vous pouvez le mettre dedans. Tu as pépin qui va se faire la malle dedans. Voilà, voilà. Allez, hop, je fais de la place. Hop. On va mettre ça sur le côté. Voilà. Petit nettoyage. On va faire un beau bordel. Hein. Et voilà. Petit vinaigre balsamique, mais là j'en ai pas, sinon avec l'éponge, c'est fait défoncer par le chat. Voilà voilà les amis, la recette est terminée. Donc petite noix de Saint-Jacques flambée au whisky avec crevettes, un autre calamar. Vous n'êtes pas obligé de mettre le calamar ni les crevettes, hein. Faire ça juste avec les noix de Saint-Jacques, c'est bon aussi. Hein. Mais moi je suis gourmand en fait. Donc, nos petits œufs. Il manque vraiment une lumière là au-dessus. Nos petits œufs, relèvement pas. Voilà. Hop, saumon rose fumé. Aneth, mayonnaise maison. Un peu de citron. Voilà. Et puis, nos fameuses tagliatelles. Voilà, elles ont refroidi un peu. On sert ça bien chaud. Tout simplement. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter bon appétit les copains. Merci en tout cas encore pour les abonnements. Les follow, il n'y en a pas eu je crois ce soir. Non, il n'y en a pas eu ce soir. Mais sinon en tout cas merci beaucoup, merci à tous. Merci les gars d'avoir été présents, ça fait plaisir. Vous retrouverez du coup la recette ce week-end, on est mardi, demain, donc mercredi ou jeudi sur YouTube, en espérant que du coup ça vous a plu, que ça vous a donné envie encore une fois, ça fait plaisir. Je rappelle du coup ce fameux giveaway. Ah bah attends, je vais aller chercher la feuille, je vais aller chez nous tout de suite. Monsieur Shizuka. Ah mais du coup la cam elle est buggée. Merde. Là on me retrouve, voilà. Voilà monsieur Shizuka. On va le noter tout de suite. J'ai une écriture de merde. Onishi. Et voilà, vous êtes inscrit pour le giveaway, mais mon ami. Donc la liste elle commence à être sympa. Ça fait plaisir. Merci à tous. Tout va bien, on se retrouve vendredi pour un nouveau live cuisine si tout va bien. De toute façon, je vous file les infos sur Twitter. Voilà, je vous mets le lien. On se retrouve sur Twitter. Vendredi, c'est pas possible. Bah, ici, vendredi. Alors. C'est vrai, j'ai oublié vendredi. Je me suis un peu trop avancé. Vendredi, on a un anniversaire. Donc, on n'est pas là vendredi soir. Mais bon, voilà. Du coup, bah, je vous tiendrai au courant sur Twitter de savoir quand je vais faire le prochain live cuisine. Je devais faire en deux cette semaine, vu que j'en ai pas fait la semaine dernière.
Et du coup, on fera ça ce week-end, tranquillement. Avec une recette. Voilà, je crois que je vais faire la recette facile que je faisais en étudiant. Une recette d'étudiant qui coûte pas cher et qui permet de pouvoir faire un plat pour plusieurs jours. Moi, ça m'a jamais dérangé de le faire. Donc, je vous filerai les infos sur Twitter, comme d'hab. Je vous remercie tous de votre présence. Merci encore pour tout. Je vous souhaite une agréable soirée. Bon appétit, bonne soirée à vous. Et puis, n'hésitez pas à aller liker la vidéo quand elle sera publiée sur YouTube. Merci à tous. Bonne soirée. Des bisous, ciao, ciao. I'm with you.